Alors moi c'est Joachim du Bonchassa, donc je suis en troisième année de bio-ingénieur ici à l'UCLouvain. Louvain. Je suis le responsable du quota projet Le Sommet. Il organise chaque année depuis 26 ans une journée du monde rural et comme cette année on n'a pas pu l'organiser dû au coronavirus, on a décidé de l'organiser en ligne et de faire une semaine du monde local. D'habitude la journée du monde rural était composée Il y avait plusieurs expositions, de nombreux stands sur la Grand Place, notamment des animaux aussi, des vaches, des lapins, des poules. Il y avait des expositions de machines agricoles, également des membres de différentes associations agricoles qui venaient présenter leurs activités. On faisait toujours la veille au soir une conférence pour introduire la journée du monde rural. Et donc tout ça, on l'a petit à petit transposé en semaine du monde rural. Donc, pour la conférence, on a un peu changé, on a mis des films en ligne que les gens peuvent regarder et puis nous poser les questions. Et après, nous, soit on répond nous-mêmes, soit on répond aux éventuels intervenants qu'on aurait invités à une conférence. Et alors, pour le reste, en fait, on a créé beaucoup de vidéos, donc il y en a une par jour, et toutes sur des sujets pour aborder un peu tous les thèmes abordés le jour de la journée du monde rural. Donc notamment, lundi c'était les machines agricoles, mardi c'est l'alimentation des bovins. Donc voilà, on a un tas de thèmes différents qui essaient d'aborder tous les sujets abordés par la journée du monde rural. Pour les éditions futures, c'est vrai que ça nous fait réfléchir, on se dit qu'on pourrait peut-être adapter ça à d'autres années. Maintenant, on pense quand même que c'est un sujet qui est assez matériel, entre guillemets, et je pense que surtout pour, par exemple, les écoles qui venaient nous voir le matin, pour les petits enfants, c'est quand même important de voir les animaux en vrai, même si on n'exclut pas non plus de continuer éventuellement des petites vidéos les autres années, en plus de la journée du monde rural.